calebasse se casse toujours au seuil de la porte. Oh, ah, c'est là. Disait ma grand-mère. Voilà. Paroscan, bordel. Merci, mémé. Bon, vous avez fait pour les rescapés. Comment ça? Il va falloir payer ou quoi? Ben justement, c'est le texte de, d'un rescapé, Sony, d'un texte inédit qu'on espère bien publier un jour. Voilà, un avant-texte de Machin Lahernie. Voilà, une courte lettre envoyée par deux femmes à quelqu'un dont elles ne savent pas s'il est mort ou dans quel monde il est. Merci, Uri. L'humain. Ah. Mais l'humain, qu'est-ce que c'est seulement un cri? Ce cri qui parlemente. Railler notre Kataeno. Kataeno, arbre et bois dur. Kataeno, père. Kataeno, fils. Kataeno, femme. Kataeno, famille. Kataeno, ventre. Kataeno, tendresse. Beau Kataeno. Kataeno qu'on ne connaîtra plus, mais qu'on a déjà vécu. Nous te disons cette chaleur. Nous te rendons ces toits. Tes toits, quand on parle, on a envie de faire des gestes pour secouer ces toits-là, pour créer le chaos organisateur au fond de notre propre dislocation. Nos corps se souviennent du contact. Étoiles, mer, monde, non. Nous partirons bouleversés. Mais qu'est-ce que c'est que ce visage qui ressemble à Kataeno? Cette face, cet autre encore qui ressemble, l'humain, ah non, l'humain n'a pas encore eu lieu. L'humain reste informe. Cette lettre, nous l'écrivons en écrasant tous nos cœurs sur les mots. Ça s'use comme la craie qui écrit un mot. Kataeno, fruit. Kataeno, branche de tout. Nous additionnons notre corps au tien. Corps de calcaire dans ton corps acide. La réaction est fatale. Nous portons ta forme pour défier le monde, bien sûr. Un corps qui est en grossesse du monde ne pardonne pas. Ce corps-là n'écoute pas, il parle. Il parle, il met toute la matière en état de douleur. Il n'y aura pas 1000 naissances, une et une seule. L'espoir, la porte. Ah!